Donc on va démarrer par rappeler les grands enjeux et la manière dont se pose la question du financement par rapport à ces grands enjeux. Et puis après, je vous parlerai d'un certain nombre de propositions qu'on peut faire avec une part un peu plus générale et une part un peu plus appliquée. Ce qui est intéressant dans le travail qu'on a fait avec Pascal Canfin, c'est qu'on était piloté par Laurence Boone, qui est donc l'économiste de l'Élysée, qui est une ancienne banquière d'affaires, et qui nous a dit d'entrée de jeu qu'on avait deux options. Première option, on veut que notre rapport circule. Deuxième option, on ne veut pas que notre rapport circule. On n'a pas vraiment envie qu'il circule. Dans la première option, vous devez vous mettre d'accord avec Bercy. Sur les points centraux de ce rapport, sinon c'est vertical, classement vertical. Deuxième option, vous ne voulez pas que ce rapport circule, faites ce que vous voulez. Donc on était assez libre. On avait un premier grand choix qui était est-ce que on négocie en gros, hein, ou est-ce qu'on négocie pas. Donc on avait tout à fait la possibilité de dire nos idées, de ne pas négocier, et on était sûr que ça ne servait à rien. Donc nous on a pris avec Pascal Canfin l'autre option. Et donc ce rapport, vous verrez comment il est fabriqué, comme vous verrez, il est très très court, hein, il est 80 pages, ça se lit vraiment en une heure. Vous verrez qu'il y a parfois des points d'interrogation, il y a parfois des provisions qui sont faites mais qui ne sont pas reprises, tout ça est l'objet de négociations. Hein. Donc dans le résumé exécutif qu'on trouve vraiment dans le site de l'Élysée, en format très facile, il y a le résumé exécutif et les 10 propositions clés du rapport qui sont celles qui ont reçu l'aval de nos interlocuteurs. Il y en a d'autres dans le rapport. Qui ne sont pas remis dans le résumé exécutif, qui sont à peu près acceptables, mais pas acceptés. Et il y en a d'autres qui ne sont pas dans le rapport, parce que de toute façon, c'était no way. Okay. Donc je vais essayer de. Pour que vous compreniez ce truc un peu compliqué, il faut que donc, je vous raconte un peu les enjeux de tout ça. Et dernier point pour revenir à la blague de j'ai mal tourné tout à l'heure, effectivement, on est dans une école de sciences ici. Hein, bon. Donc vous êtes en train de recevoir une formation scientifique. Donc l'économie n'est pas une science du tout, au sens où on entend que sont des sciences exactes des sciences. Donc c'est un machin un peu bizarroïde dans lequel il y a des gens qui pensent des trucs, d'autres qui pensent tout à fait autre chose, et c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Et donc moi, je ne prétends absolument pas vous dire une vérité révélée en matière d'économie et de finance. Je vais juste faire un peu attention au statut de ce que je vous dis. Il y a des fois, je documente, il y a des fois, je ne documente pas. Il y a des fois, c'est des affirmations gratuites, il y a des fois, c'est des arguments fondés, mais grosso modo, je ne peux pas faire beaucoup plus. On s'est beaucoup appuyé sur ce petit bouquin, qui est le dernier opus de Nicolas Stern. Alors je vous le dis tout de suite pour que vous ayez un peu les idées claires dans le paysage média. Nicolas Stern a fait en 2006 un très gros, une très grande réussite médiatique. Il s'est fait connaître de manière incroyable. Il était chef économiste de la Banque mondiale et était devenu à ce moment-là conseiller de Tony Blair. Nicolas Stern. Et il a fait faire un travail très important avec une armée d'économistes pour arriver à la conclusion suivante. Le coût de l'inaction... Si vous pouvez me trouver l'eau, Jacques, que j'ai... Le coût de l'inaction est très supérieur au coût de l'action. Ça, c'est en 2006. Si vous ne cherchez pas le sens des mots, parce que je ne sais pas bien ce que ça veut dire, le message politique, c'est si on ne fait rien, on va avoir beaucoup plus d'ennuis économiques que si on fait quelque chose. Ça, c'est Nicolas Stern, 2006. Ce message, en 2006, est assez bien passé. Les gens l'ont accepté. Il y avait juste un problème, et ça a bataillé extrêmement sec pendant des années entre économistes. Et le meilleur économiste qui a rendu compte de ça, c'est Olivier Godard, hein, qui est maintenant à la retraite, mais qui était économiste au laboratoire d'économétrie de l'IX. Il a fait des rapports que je vous conseille de lire si l'économie vous intéresse, expliquant qu'est-ce que c'est que cette controverse autour du rapport de Nicolas Stern. Cette controverse portait essentiellement sur le choix du taux d'actualisation qu'avait pris Nicolas Stern. J'en reviendrai de minute tout à l'heure, parce que c'est un truc totalement central dans le sujet du financement. Le même Nicolas Stern, en 2014, a fait un autre rapport qui a fait un énorme bruit médiatique. Il l'a fait avec M. Calderón, qui se trouvait être ancien président du Mexique. Stern, c'est toujours un gars, il était chef économiste à la Banque mondiale. La Banque mondiale, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose complètement, mais enfin, en gros, c'est la grande banque occidentale du développement. Et donc, il y a une espèce de schizophrénie à la Banque mondiale, avec un grand volet, on va apprendre aux pauvres ce que c'est que la vraie vie et le vrai développement, donc on va les sortir de leur caca.
Et en même temps, au sein de la Banque mondiale, il y a quand même des gens qui croient vraiment à aider les pays à sortir de la misère. Donc c'est peut-être une petite ambiguïté de post-colonialisme et de vraie sincérité. Alors Stern, il est plutôt dans la catégorie avoir du cœur. On va dire ça. Pour moi, dans la catégorie, j'impose un modèle de développement. Et donc, c'est pour ça qu'il est très sensible à ces sujets-là. Donc, la nouvelle économie climatique, c'est une meilleure croissance. Il ne dit pas une croissance verte, et on ne sait pas de quelle croissance il parle. Hein. C'est la croissance du PIB ou la croissance... J'en sais rien. Mais c'est, en anglais, « better growth, better climate ». Donc, la thèse de Stern dans ce bouquin, super documentée, parce que ça, c'est juste le résumé qui est sorti en français, et, une espèce de rapport comme ça, c'est une deuxième thèse optimiste, qui consiste à dire, dans tous les cas de figure, on va investir beaucoup d'argent pour les infrastructures, pour le développement. Et c'est pas si plus cher que ça, dit-il, si plus coûteux que ça, que de le faire en tenant compte de la contrainte climat. Donc le premier message de Stern, c'est rien faire, ça coûte beaucoup plus cher que s'occuper du changement climatique. Et là, il nous dit un autre truc. Qui est, on va de toute façon avoir à investir, et c'est pas beaucoup plus coûteux d'investir bas carbone que carbone. Ce qui est évidemment profondément discutable. Mais je vous le dis pour que vous ayez un peu le paysage dans lequel on a opéré ce rapport. Pour une raison assez simple, c'est quand on fait un rapport en 3 mois, hein, début mars, livraison, le jour de l'appel de. Alors on a fait concurrence au pape. Donc la grande encyclique papale, que je vous recommande vraiment à tous de lire, parce que vous êtes des scientifiques, donc il faut quand même que vous lisiez un peu autre chose que de la science, Laudato aussi. Est sorti le 18 ou le 19 juin. C'est la première fois qu'un pape de l'Église catholique, puisqu'il n'y a que l'Église catholique qui a un pape, fait une encyclique qui est un cours d'écologie appliquée. Enfin, c'est juste complètement hallucinant. Alors, pour ceux qui ne sont pas totalement allergiques, si vous êtes très allergique, vous essayez de passer les endroits où il parle de Jésus et de Marie. Si vous n'êtes pas complètement allergique, ça ne pose aucun problème. Vous lisez, ça fait comme un roman. Et c'est une des meilleures introductions aux enjeux écologiques de la planète, vue par un gars qui est un Américain du Sud. D'origine. Donc, pas tout à fait le point de vue qu'on a eu. Et on n'a pas fait d'ombre au pape, hein. On est sorti le même jour. Donc, on n'avait que 3 mois pour faire notre rapport, donc il fallait aller très vite. Et donc, on n'avait pas tellement le choix. Il fallait qu'on aille vite sur des choses qui sont documentables. Comme on était dans la version, on veut que notre rapport circule, on a pris un peu au pied de la lettre les trucs de Stern parce qu'ils sont assez connus, assez réputés. Et donc, on était sûr de ne pas se faire emmerder là-dessus. Je vous le dis parce que c'est un peu de la politique là que je fais. Hein. Mais je vous le dis parce que si vous voulez faire passer une idée, commencez pas à vous braquer entièrement le gars à qui vous avez envie de passer l'idée. C'est pas une bonne stratégie. Donc moi, je vais essayer de pas vous braquer. Donc je vais commencer par faire un peu de science. Parce que je suis dans un... Bon, ça, tu l'as remontré, celui-là. Donc celui-là, je le vois ici. Vous le voyez bien jusqu'en bas, là? Bon, c'est celui du budget carbone et c'est celui qui vous dit... À supposer qu'on émette quoi, 38 gigatonnes de CO2, je suis en gigatonnes de CO2 moi. Et Jacques, t'es toujours en gigatonnes de carbone. Non, c'est bon. Ouais. Ça fait une petite trentaine d'années, sauf que tout le monde sait qu'on est en train de croître, et puis d'autre part, il faut du rab, donc il faut le triangle pour aller jusqu'à zéro. Et donc, visiblement, ça va être compliqué de tenir avec une bonne probabilité de certitude nos 2 degrés. Hein. Ça, c'est Malthusen. Donc, tu as aussi montré des courbes logistiques. Et un petit paramétrage qui permet de faire des courbes. Ça, c'est celle qu'avait fait Malthusen en 2009. C'est un des premiers, en fait, climato qui a attiré l'attention sur le fait qu'il y avait un problème de budget. Donc là, pour que vous ayez bien les ordres de grandeur en tête, en 1990, on émettait 40 gigatonnes de CO2 équivalent au niveau de l'ensemble de l'humanité. Plus ou moins des incertitudes, c'est jamais très précis. Là, l'ordre de grandeur, on est à 50 gigatonnes de CO2 pour un petit 7,3 milliards d'habitants. On doit, si on croit ce genre de trajectoire, mais il y en a plein d'autres possibles, vous regardez celle du rouge au milieu, on arrive à un facteur 2 par rapport à 1990, donc on est à 20 gigatonnes de CO2 équivalent en ordre de grandeur, là où on était en 90 à 40, et là où on se est à 50. Donc ça veut dire, vu d'aujourd'hui, il faut diviser en gros par 2,5. Je redis, c'est des ordres de grandeur, d'autres vous diront il faut être encore plus radicaux, je m'en fous un peu, c'est juste que vous ayez les points de repère, et le 20... Si vous le divisez par la population de l'époque, ça fait combien par habitant? Et on pille tous. Là. Vous avez faim, c'est ça qui se passe. Là, vous êtes 20, vous avez 20 gigatonnes à CO2 qui vous partagez avec par combien d'habitants? Un petit 10 milliards. Un petit 10 milliards. Bon, 10 milliards.
9, 5, donc ça fait 2 par litre. Est-ce que vous avez la moindre idée de ce que vous, chacun d'entre vous, en moyenne, sauf qu'en plus il chauffe, ouais, c'est quand même complètement dément, vous émettez par tête de pie par an, en moyenne, le français moyen, hors de grandeur. Toi, Jules, tu sais, donc tu es autorisé. À peu près à 10. Hein, selon qu'on compte les émissions de carbone qui sont, qui sont dans nos biens de consommation achetés, donc qui sont, si on fait un bilan carbone vraiment de la France, y compris le carbone qui est dans les ordinateurs et tous les bazars qu'on achète en Extrême-Orient, ça fait à peu près 10. Si on ne compte pas ça, on est plutôt à 7-8 et je suis bien en CO2 équivalent, donc je suis tout gaz à effet de serre. Donc c'est juste que vous pouvez dire un petit ordre de grandeur, ça voudrait dire que si un Français moyen avait un quota de CO2 strictement égalitaire, il devrait passer à 2, et aujourd'hui on est à peu près à 9-10, hein. C'est ça les ordres de grandeur. Hein. Bon, ça c'est facile pour nous, les Amerlocs qui sont à 20-25, les Qataris sont à 40, et on a par ailleurs de l'autre côté de la distribution du CO2, on a plein de pays qui sont à 0,5, 0,3, 0,2, et donc le raisonnement de Malthausen, c'est de dire il faut que la courbe bleue pâle, là, donc les pays développés qui sont moyennement et statistiquement très intenses en carbone, ils fassent un effort beaucoup plus rapide. C'est pour ça qu'il leur fait faire un facteur 4 ou 5 à horizon 2050, pour pouvoir laisser de la place aux émergents et aux pays les moins avancés. Et c'est un des énormes enjeux de la discussion de COP21, vous avez bien compris. Vous avez la Chine qui dit « moi je veux bien piquer vers 2030 », alors que Malthausen, il aurait été plutôt d'accord pour que ce soit 2020. Donc le pic CO2 2030 de la Chine, c'est un peu tard. Et vous avez les Indiens qui vous disent, les mecs, c'est sympa, mais non, quoi. C'est qu'on aura le temps. Caricature à peine, mais donc vous voyez bien que le niveau, elle est super dure, parce qu'il s'agit d'avoir, ce qui est dit, des efforts différenciés selon, et équitables selon les grands pays. C'est très compliqué de savoir ce qui est différencié et équitable. Et surtout, le sujet central, c'est ça que tu l'as redit, c'est que l'énergie, non, c'est Jean-Marc, je sais pas, enfin, l'énergie est au cœur du modèle économique. Ah, donc réduire le carbone, mais comme 80% de l'énergie, elle émet du CO2, c'est réduire l'énergie. Donc c'est un sujet extrêmement compliqué à négocier. Là, je me suis amusé à faire un truc donc, qui est sorti. Là, je suis très très content qu'on ait sorti au tout début, parce que là, je suis sûr que Hollande l'a vu, ce truc-là. Là-haut, vous avez le découplage entre le PIB. Alors, je ne suis pas un fan du PIB, hein, donc, je ne suis pas un amoureux du PIB, mais il y a tellement de gens qui parlent PIB qu'on est un peu obligé de parler PIB. Quoi. C'est comme aux États chinois, vous voulez parler chinois. Et quand vous parlez des économistes, si vous ne parlez pas PIB, le mec, je comprends ce que tu dis. Et donc là-haut, vous avez en basse 100, 1960, l'évolution en vert des émissions de CO2, en jaune des émissions du PIB mondial. Donc le PIB mondial, il a fait x6, c'est la propriété des cours exponentielles, hein. Je ne vais pas ouvrir un cours sur les exponentielles. Il a fait x6 alors qu'il a un taux de croissance qui doit se balader à 3/4, je ne sais pas. De 1960 à 2010, et le CO2, il a fait que x4. Donc il y a un léger découplage. Donc on a réduit un peu le contenu carbone d'un euro de PIB. Le seul petit sujet, c'est quand Christine Lagarde nous dit récemment, la chef du FMI, oh putain, c'est quand même grave ce qui se passe en ce moment, la croissance est trop faible. Est-ce que vous avez une idée de quel est le taux de croissance mondial qu'elle trouve trop faible ? 7. Taux de croissance mondiale. Vous êtes un peu cher, à mon ami. Qu'est-ce qu'il y a moins cher ? 3. Donc elle dit à 3%, c'est pas assez. Vous avez 7 en tête parce que c'est la Chine qui croit, si on croit les chiffres chinois, il faut les croire, à 7, 8, 9, 10. Le taux de croissance mondiale, peut-être qui ressort des statistiques actuelles, il est à 3%. Donc moi, j'ai fait juste un truc très con. Et de prolonger la tendance. Et donc la courbe en jaune en bas, elle part de 1990 et elle va jusqu'à 2050 avec un taux de croissance du PIB de 3%. J'ai pris à la lettre. Alors aussi, pour que ce soit clair entre nous, quand vous faites des calculs de revenus, alors pas de PIB, hein, mais de revenus, pour essayer de se dire le revenu monétaire, peut-être que PIB ça n'a pas beaucoup de sens, mais gagner 20 000 balles par an ou 200 000, ça a peut-être un petit sens quand même, un petit rapport avec le niveau de vie. Si vous faites un 3,5% de croissance par an, ce n'est pas sûr du tout que vous arriviez à monter le revenu moyen des pays pauvres et émergents au niveau d'un Français moyen. Il faut bien avoir les ordres de grandeur en tête. Hein. Donc quelque part, le 3% est complètement dément du point de vue écologique, parce que faire ce découplage, faire un facteur 2 sur le CO2
pendant qu'on fait un facteur plus de 6 sur le PIB, c'est un peu compliqué à croire. Mais en même temps, les gens du développement, ils n'ont pas complètement tort de dire qu'il y a plein de gens qui vivent avec $1 par jour, ils sont quand même complètement dans la merde. Donc on a envie de les électrifier, on a envie qu'ils puissent se déplacer, on a envie de tout un truc. Et donc, le thème de STEM, sur lequel je vais arriver assez vite, c'est de dire est-ce qu'on peut résoudre cette équation, où je ne crois pas un instant, évidemment, mais c'est ça le problème de STEM. C'est comment on peut résoudre ce paradoxe apparent. Est-ce que c'est clair à ce stade? Peut-être un autre chiffre pour que vous ayez des ordres de grandeur en tête. J'ai fait des petits calculs. Donc c'est 400 grammes CO2 par point de PIB mondial à 40, c'est à peu près ça qu'il faut faire. Il se trouve, mais ça c'est un peu de la mnémotechnie, il se trouve que dans le domaine de l'électricité, est-ce qu'on sait calculer le contenu en CO2 en grammes CO2 d'un kilowattheure? Alors là aussi, je vais vous interroger, là, même si c'est entre midi et deux, est-ce que vous avez une idée de la quantité de grammes CO2 kilowattheure du charbon? Donc si vous avez de l'élec fabriqué entièrement par du charbon, c'est quoi l'ordre de grandeur versus le nucléaire? C'est cool. Si vous n'avez pas les ordres de grandeur, au moins dites-moi le rapport. 20, 30. 20, 30. C'est votre dernier mot, votre dernier chiffre? 100 fois. Qu'est-ce qui a dit ça? C'est lui qui a dit ça? Qui a dit ça? Ah, ça c'est... Il le sait. Ok, c'est 100. Hein. Donc, l'ordre de grandeur du gramme CO2 kWh nucléaire, c'est 10. En gros, hein, je ne suis pas à un gramme près. Et l'ordre de grandeur du charbon, c'est 1000. Ok. Les énergies renouvelables, elles se situent quelque part entre 0 et 100. Ça se discute beaucoup sur le solaire photovoltaïque, il y a des études à n'en plus finir. C'est inférieur à 100. Le gaz, c'est plutôt aux environs de 400. Et la moyenne mondiale, elle doit se balader entre 5 et 600 de mémoire. Si vous avez ça en tête, je... Ouais. Et quand on calcule ce genre de chiffres, c'est vraiment pour... Est-ce qu'on compte la production... C'est en ACV, c'est en année cycle de vie. Ouais, ça, alors là, j'ai pas le temps de vous expliquer, mais... Ça fait 10 ans qu'on fait ça. Je peux vous dire que c'est vraiment très bien fait. Donc c'est du puits à la roue, et c'est en fait, on compte les émissions de CO2 de la mine jusqu'au démantèlement y compris, et on rapporte toutes ces émissions à la quantité de kilowattheure produite par la centrale. Donc il y a forcément un peu de convention, selon la durée de vie qu'on prend pour l'équipement. Enfin bon, Mais comme je suis en ordre de grandeur, les ordres de grandeur, ils ne bougent pas. Et pour être très clair, nous, c'est notre métier chez Carbon 4, donc on connaît ça par cœur, mais on a passé notre temps à regarder toutes les bases de données internationales pour être sûr qu'on ne dit pas trop de conneries. Donc les ordres de grandeur, je suis sûr que je ne vous dis pas trop de conneries. Mais là où je voulais en venir, c'est que si vous avez un mix électrique moyen de 500 grammes CO2 et qu'en 2050, par kilowattheure, vous passez à 50, vous êtes dans le facteur 10, qui est à peu près l'ordre de grandeur dont il est question. Donc technologiquement, ça n'a pas l'air d'être ça le problème principal. Donc le vrai sujet, il n'est pas là. Le vrai sujet, c'est qu'il y a des milliers... On va en parler, hein. Il y a des milliers d'installations en cours, et que quand vous investissez dans l'énergie, vous investissez pour 40, 50, 60 ans. Le programme nucléaire français, il a déjà 30 à 40 d'âge. Les Chinois qui sont en train d'installer des centrales de charbon, et les Indiens, et les Américains, et un peu nos amis de l'Est, là, s'ils installent, c'est pas pour qu'on démantèle dans 3 jours. Donc il y a un petit sujet quand même qui n'est pas complètement anecdotique, et plein d'autres problèmes évidemment. Hein. Mais bon, déjà, c'était pour vous dire que ces chiffres sont complètement délirants, mais quelque part, il y a des trucs qui ont un rapport avec ces chiffres. Donc une manière de ne pas être complètement démoralisé, parce que je n'ai pas envie de vous offrir une balle et un Beretta tout à l'heure, une manière de se dire, c'est que c'est vrai qu'on va sans doute rater le 2 degré, mais c'est pas complètement aberrant de penser qu'on peut en être pas trop loin. Bon, l'équation de Kayer, on vous l'a fait? Non, on l'a pas fait, ça. Bon, il y a 50 versions d'équation de Kayer. Celle-là, elle est super simple et elle va assez vite nous entraîner sur les questions de financement. En haut, la CO2, c'est à peu près mon niveau intellectuel aujourd'hui. Je savais faire des trucs plus compliqués, mais ça, je sais faire. Donc CO2, c'est les émissions de CO2. TEP, c'est la consommation d'énergie. Hein, pour avoir les ordres de grandeur, mais ça, on vous l'a déjà dit 50 fois, on consomme en énergie primaire 12 milliards de tonnes équivalent pétrole par année au niveau de l'humanité. Hein, donc ça fait... un peu moins de 2 par tête d'habitant. En Europe, on est à 4 en moyenne, 4, quelque chose comme ça. Aux États-Unis, ils sont plutôt aux environs de 8. Et puis dans les pays les plus pauvres, on est très, très en dessous de 1. Voilà, c'est ça les ordres de grandeur. Donc vous avez 3 facteurs. Vous divisez le CO2 par TEP, vous remultipliez par TEP, ça va, jusqu'à présent, vous me suivez. Vous divisez par population, ça vous me suivez, vous remultipliez par population.
Donc ça, vous êtes sûr que c'est une identité remarquable qui marche. Ce que vous voyez avec cette micro-équation, c'est que si vous voulez diviser par deux le facteur de gauche à CO2, c'est ça le but, hein, on doit diviser à horizon 2050 les émissions de CO2 pour être à peu près dans la trajectoire, vous avez le facteur de droite, là, d'extrême droite, là, la POP, qui commence par être multiplié par 1,5, un truc comme ça, et sur lequel vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre. Alors, vous allez dire, Jacques, ou Jean-Marc, t'en tues combien pour résoudre l'équation? T'as pas envie? Ah non. Non. Donc, personne n'a envie de tuer la moitié de l'humanité pour résoudre l'équation de Kaya. Et par ailleurs, aucun démographe d'aujourd'hui ne vous dit tranquillement que 9 à 10 milliards, c'est très incertain. Je ne sais pas ceux qui ont regardé en détail les projections démographiques. Moi, je les ai vus toujours croître à la hausse. Et j'ai toujours, il y a 10 ans, on nous disait 9 milliards en 2050. Là, en ce moment, on nous dit plutôt 9 milliards 5. Et j'ai jamais vu aucun démographe, je crois un peu à la démographie, parce que c'est quand même une science assez mathématisée. J'en ai vu aucun qui me disait qu'il y a une probabilité non nulle qu'on soit à 7 milliards. Ça n'existe pas. Vous voyez, tous les reproducteurs, comme ils disent, sont là. On est 7 milliards 3, donc on va y aller. L'Afrique n'a pas encore fait sa transition démographique. Donc c'est sûr qu'il va y avoir plein de monde sur cette bonne planète. Ceci a un rapport avec cela, évidemment, parce que quand la crise climatique va être vraiment active, les gens auront envie de se déplacer, mais comme en même temps on se reproduit activement, les bons coins seront tous pris, et donc les gens vont se cogner sur les mecs qui sont dans les bonnes places, quoi, et donc ça va évidemment multiplier les conflits. Alors maintenant, si j'oublie ce volet-là des choses, deux leviers majeurs, décarboner l'énergie, c'est-à-dire jouer sur CO2 sur Terre, et réduire la consommation d'énergie jouée sur TEP par population. Alors ça, j'incite un tout petit peu, parce que parfois, il y a des gens qui vous disent l'enjeu central de la transition énergétique, c'est la baisse de la consommation d'énergie. Il faut être sobre. Une famille de pensée. Vous en avez d'autres qui disent l'enjeu stratégique de la transition énergétique, c'est de décarboner les sources d'énergie. Moi, je ne crois pas du tout à l'opposition de ces deux facteurs. Je pense que c'est tout à fait évident qu'il faut jouer sur les deux leviers. Alors quand on a... et c'est pas anecdotique, parce que vous allez voir tout de suite que les deux leviers sont très intenses en capital. Il va falloir mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour jouer sur l'un ou sur l'autre. Donc on aura des arbitrages, sachant par ailleurs, il va falloir s'adapter, et il va falloir élever les digues pour essayer de protéger nos installations industrielles, les logements, tout ce bordel. Donc on va avoir des arbitrages un peu compliqués. Mais cela étant, on ne résout pas l'équation de Kaya en jouant sur un des deux termes. Alors c'est ça qu'il faut vous dire, en fait. On ne la résout pas. Parce qu'on est incapable d'aller assez loin sur un facteur ou sur deux. Donc il faut vraiment jouer les deux en même temps. Et évidemment que la problématique est complètement différente pour les pays développés, les émergents, les PMA. Alors j'ai sorti tout ce que j'avais fait. J'ai fait des petits calculs comptables avec les coefficients, les C1, les C2, les C3, les PMA. J'ai vu que ça ne passerait pas, donc je ne l'ai pas fait. Donc on peut faire des calculs que j'ai fait, mais je n'ai pas le temps de vous expliquer, pour faire des espèces de... le chiffrage un peu à la grosse qui nous donne les ordres de grandeur du niveau de consommation d'énergie et de l'intensité carbone qu'il faut avoir par grande région du monde ou par population, parce que les problèmes d'équité se posent autant entre pays qu'au sein d'un pays. C'est vraiment complètement clair. Bon, ça, maintenant, c'est bienvenue au monde merveilleux de Nicolas Stern. Le monde merveilleux de Nicolas Stern, là aussi j'ai passé toute une série transparente, donc là je vous synthétise ça, c'est les grands axes, décarboner l'électricité, la production d'électricité. Ouais, en gros, hein, ils raisonnent tous de manière assez simple les uns les autres, ça faut quand même que vous ayez ça en tête. C'est le pétrole, en gros c'est le transport, massivement, c'est-à-dire 95% du transport c'est le pétrole, et il y a un peu de chauffage. Notamment en France, il y a 3 millions de logements qui sont chauffés au fioul, ce qui est complètement délirant, mais c'est quand même, ça existe encore. La production d'électricité, c'est beaucoup du charbon, du gaz, du nucléaire, de l'hydraulique et un poil de renouvelables, comme dit Jean-Marc, les nouvelles renouvelables. Et c'est pour ça qu'en général, dans les présentations, ils séparent un peu l'électricité en tant que telle. Et puis, le mobilité, la transport. Bon, la réalité est un peu plus fine que ça, mais là, c'est pour avoir des ordres de grandeur un peu simples. Après, il met l'efficacité énergétique dans tous les secteurs d'activité. Et puis, alors, l'efficacité énergétique dans tous les secteurs d'activité, c'est aussi un tout petit point de repère pour que vous ayez trois idées claires. En France, il y a un truc qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone, qui vient d'être sortie, vous pouvez la lire, elle est tout à fait disponible. Elle vous dit comment la France va faire facteur 4 d'ici 2050.
Le sujet central en France, c'est la réduction de la consommation d'énergie des bâtiments et des logements. Alors ici, je ne vous dis pas, hein, je ne suis pas commencé ici. Je suis en train de me transformer en cocotte minute en 3 minutes. Il y a juste un tout petit sujet, il y a 30 millions de logements. Si on veut rénover l'ensemble du parc de logements en 30 ans, 35 ans, ça fait entre 500 000 et 1 million de rénovations énergétiques profondes du bâtiment en France. Et pour, aussi, pour vous donner des ordres de grandeur, c'est 20 000 mètres carrés, c'est 20 000 euros au moins par logement. Au moins. Donc ça veut dire que c'est une facture de 600 milliards, hein, c'est ça dont on parle. Donc quand on parle d'efficacité énergétique, hein, c'est pas juste d'avoir des moteurs qui tournent bien, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est que tous nos process, toutes nos activités soient de plus en plus efficaces, donc y compris le logement. Et le deuxième grand poste, c'est le transport. Et dans le transport, vous avez un truc qui est à peu près connu maintenant, c'est qu'on oblige les constructeurs automobiles, à commencer par Volkswagen, à réduire leurs émissions de CO2. Ils ont plein de trucs à faire, mais une des manières simples de le faire, c'est quand même de réduire la consommation d'énergie. Donc on est en train de sortir des bagnoles qui potentiellement vont consommer du 2 litres au 100. Bon. Donc si vous imaginez que le parc de bagnoles, qui est aujourd'hui de l'ordre de grandeur d'un milliard dans le monde à peu près, est pas multiplié par 10 d'ici 2050, et par ailleurs fait de bagnoles qui consommeront que 2 litres au 100, on aura quand même fait un gros pas en avant vers le truc. On aura, parce qu'aujourd'hui, le parc moyen de voitures en Europe, il doit se balader entre 7 et 8 litres, un truc comme ça, au 100. Hein, donc passer à 2, c'est faire facteur 4. Donc c'est pas mal. Ce que je voulais dire sur la SNBC, hein, et pour dire bien le truc, c'est qu'il y aurait en couleur. La stratégie nationale bas carbone n'est pas du tout réaliste. Jamais on fera, à la manière dont on s'y prend aujourd'hui, les 500 000 à 1 million de rénovations énergétiques par an. Jamais. On est à moins de 100 000 en ce moment. Donc on n'est pas du tout sur là. Mais ça fait partie du programme. Et le dernier grand poste stratégique, c'est évidemment la restauration des puits carbone. Je ne sais pas si vous avez ça en tête, mais dans les 50 gigatonnes équivalent, je passerai ça tout à l'heure, mais il y en a en gros 32, c'est le CO2 lié au fait qu'on brûle des énergies fossiles, et vous en avez 6 qui sont du CO2 du fait qu'on change l'affectation des sols. Hein, donc ça veut dire qu'on, par exemple, on déforeste. Quand vous déforestez, vous émettez énormément de CO2. Donc là, dans le programme de Stern, non seulement vous arrêtez de déforester, mais vous restructurez les sols, et donc vous remettez de la matière organique là où il y a un désert et vous investissez. Et pour que vous n'ayez pas l'impression que je suis ironique, ça se fait. Donc il y a même des investisseurs financiers qui vont annoncer là, au moment de la COP21, la création d'un fonds d'investissement, donc avec des vrais méchants financiers, qui mettent de l'argent pour restructurer les sols et reconstruire de la biomasse. C'est totalement stratégique. Parce que si on fait un peu de pessimisme, c'est pas très compliqué d'en faire, et que nos petits potentiomètres sont tels que la pompe carbone baisse beaucoup plus vite que ce qui est raconté aujourd'hui, ça rend beaucoup, beaucoup compliqué toutes les équations. Et dans l'autre sens, si on arrive, malgré le début du changement climatique qui est en route, à recoller un peu de biomasse, on recrée de la pompe. C'est clair, ça? Et ça, c'est de l'argent aussi, pour que ce soit clair aussi. Investir pour qu'on arrête de déforester et qu'on reconquiert la biomasse, c'est fou du pognon. Les gens sur le terrain, ils ne brûlent pas pour le plaisir. En Afrique, quand ils font de la bâtie brûlée, c'est pas juste si on borde crever de la faim, ils ont besoin de chauffage, ils ont besoin de bois de chauffe, etc. Ils font ça, quoi. Donc si on leur dit vous arrêtez les enfants, bah, qu'est-ce que je fais? Donc c'est peut-être pas beaucoup d'argent, mais c'est comme... Donc je suis assez content que Nicolas Stern ait bien repéré ça, parce que ça c'est aussi un petit message un peu politique. Souvent, sur les questions de climat, on parle trop et exclusivement, j'ai un peu ce biais aussi, d'énergie et de CO2 dans l'énergie. Il faut jamais oublier ce sujet biomasse et agriculture, et, parce que c'est un sujet important, et il faut pas non plus oublier un truc là sur lequel j'ai totalement zappé aujourd'hui, qui est le sujet méthane. C'est aussi un sujet important, urgent, sur lequel on devrait être mis. Alors le bon Nicolas, c'est un cadache celui-là, hein, Nicolas, il nous dit c'est pas compliqué, si on veut se mettre sur la bonne route tout en maintenant la jolie croissance dont il a besoin, là, le bon Nicolas, il nous fait 90 trillions de dollars d'investissement de 2015 à 2030. Alors, question à 100 balles, qu'est-ce que c'est qu'un trillion ?
Quoi ? 1000 milliards. Ouais, ils sont forts. C'est pour des chimistes. Vous êtes chimiste ? Vous savez ce que c'est ? Hein ? Pas que. Pas que, il y a des physiciens aussi. Oui. Oula. PC, physique, chimie, IAC. Je suis épaté. Alors, ça étant, c'est beaucoup. Le PIB mondial, vous avez une idée de l'ordre de grandeur ? L'ordre de grandeur, hein, c'est pas un euro près, parce que c'est même pas 1000 milliards près. Pardon ? 100 milliards. 100 ? 100 milliards. 100 trillions. Trillions. Ouais, alors l'autre, moi j'ai en tête 60 à 70 trillions. 60 à 70 milliards. Donc c'est à peu près votre ordre de grandeur. Alors, on va dire que c'est entre 50 et 100. Pour la faire simple, après il y a quand même un problème de bon. L'ordre de grandeur de la capacité d'investissement et de l'investissement mondial, c'est 15% de ce machin-là. Donc en gros, c'est ça qu'on investit chaque année. Mais sauf que chaque année, on investit donc, on va dire, 20 trillions. Là, il nous en colle pour 6 par an, chaque année, de 2015 à 2030, et exclusivement dédié au sujet des infrastructures. C'est pas du tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Pas du tout. On est en train d'investir beaucoup moins que ça dans les infrastructures. Il y a des très gros déficits d'infrastructures. Donc, le programme de Stern, pour, si vous lisez ça en détail, c'est un programme de réinvestissement massif. Alors, j'ai pas encore fait le calcul carbone des émissions de CO2 associées à son programme d'investissement. Je le ferai bientôt. Là, je vous l'ai laissé, je vais pas y passer 3 heures, la démonstration que c'est pour Stern, c'est pas beaucoup plus coûteux de faire un truc bas carbone qu'un truc au carbone. Donc à gauche c'est 89, au carbone, à droite c'est bas carbone, c'est 93. Alors il fait des plus et des moins, donc en gros c'est pas compliqué. Il dit je prends un scénario scénario as usual en gros, hein. Donc je fais mes poches d'investissement dans tous les coins, j'investis dans les infrastructures, dans le secteur énergétique, j'investis dans les réseaux de distribution d'électricité, j'investis dans les tramways, les machins, les trucs. Et puis à gauche, je fais comme si de rien n'était. À droite, je fais en tenant compte du fait que je suis bas carbone. Et évidemment, il faut que je fasse plus d'énergie bas carbone, donc ça me coûte plus cher. Mais il faut que je fasse moins d'énergie fossile, donc ça me coûte moins cher. Il faut que je fasse plus d'efficacité, donc ça me coûte plus cher, et ainsi de suite. Donc ce qu'on appelle la waterfall en langage de consultant. Ça vous explique pourquoi il arrive à ce que ce ne soit pas tellement plus cher. Ça se discute vraiment. Hein. Ça se discute vraiment. Alors le truc qui se discute pas du tout, c'est qu'on n'y est pas du tout. Ça, c'est clair. Alors nous, on a passé des heures et des heures dans la commission avec Pascal Canfin à essayer de repérer les chiffres, pour essayer de s'y retrouver, c'est très très compliqué. On a trouvé ce truc-là. On a un demi-trillion vu de l'UNEPFI, enfin de l'ONU, un demi-trillion par an, je parlais tout à l'heure de 6, hein, qui sont à co-bénéfice climat. Alors, dans le langage horriblement flou de tous ces gens-là, vous avez co-bénéfice climat, c'est-à-dire vous faites un truc pour une raison A, et par ailleurs, vous avez tenu compte de la question du climat. Donc vous faites une installation qui produit de l'énergie, ça va bien. S'il y a co-bénéfice climat, ça veut dire qu'elle est moins émettrice de CO2 qu'une autre qu'on aurait pu mettre à la place. Donc ça, c'est du co-bénéfice climat. Donc ça veut dire que vous évitez des émissions par rapport à ce que vous feriez si vous ne teniez pas compte du climat. Donc vous voyez bien que c'est super dur à chiffrer, parce que je suis en Chine, je fais du gaz à la place du charbon, bah je fais du co-bénéfice climat. Je suis en France, il n'y a plus que 3 centrales au charbon, un truc comme ça. Je ne sais pas si je vais calculer de la même manière. Bon, donc en gros, je vais vous dire, on s'en fout un peu, parce que le message qui est ici, c'est qu'en cherchant bien, en grattant les fonds de tiroir, on est à un demi-trillion par an d'investissement du genre de ceux qu'on aimerait faire. Et ça, c'est un autre slide que j'aime beaucoup. Ça, c'est l'Agence internationale de l'énergie. Et c'est du 2014, donc c'est assez récent. Là-haut, là, ce que vous voyez, c'est qu'il y a un trillion sur les énergies fossiles par an en ce moment. Ouais. Oui, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans les comparaisons de Stern, c'est que c'est très lié au niveau technologique des différents secteurs. Donc comment il prend en compte l'évolution ? C'est une très bonne question, je vous remercie. Bon, alors je vais vous dire comment je vois les choses. S'il n'a pas du tout fait ce genre de raisonnement en 2006, Stern, c'est pour une raison assez simple, c'est quand dans la période 2006-2007, enfin les premières 5 ans des années 2000,
personne ne voyait du tout qu'il soit crédible d'avoir des technos bas carbone. Alors, je prends un exemple juste complètement illustratif. Au début du Grenelle de l'environnement en France, donc en 2007, on a subventionné l'énergie photovoltaïque sur la base d'un prix de 400 euros le mégawattheure ou un truc comme ça. Ce même prix d'aujourd'hui, on ferait le système de subvention, on serait sans doute à 100 euros le mégawattheure, donc en gros 4 fois moins. Quand vous écoutez les hommes de l'industrie du solaire, ils vous disent que les coûts sont divisés par 10 dans les 10 dernières années. Deuxième exemple, en 2007, il y a eu un débat à n'en plus finir sur la rénovation thermique du bâtiment et sur les normes thermiques du bâtiment neuf. Les gros industriels, les Bouygues et autres, ont gueulé, mais c'est des cris d'orfraie. Ils ont poussé des cris d'orfraie en disant vous nous assassinez, si vous imposez des réglementations thermiques trop importantes, ça va coûter une blinde absolue, ça va tuer le marché. Parce qu'à l'époque, ils pensaient que pour faire un truc basse consommation, ça coûterait 20, 30, 40% de plus qu'un truc normal. Les mêmes, aujourd'hui, vous disent on a fait plein de progrès, c'est organisé, donc on doit être à 5% plus cher, pas beaucoup plus. Donc votre question est très bonne. Évidemment qu'on est sur des trajectoires de très forte innovation. Et donc, dans le calcul de CERN, il y a plein d'hypothèses. Évidemment. Il y a plein d'hypothèses. Il suppose que, quand vous regardez la réduction du coût sur les énergies non carbonées, il fait des hypothèses sur le coût. Et je ne peux pas répondre en détail, je sais juste qu'il fait plein d'hypothèses. Mais ça, par définition, tous ces... Hein ? Ah, évidemment, évidemment, évidemment. Mais ça, c'est l'économie, à mon avis. En bas à droite, vous avez un truc qui a 1,6 trillion, dans lequel vous avez tous les investissements actuels dans le domaine de l'énergie, au niveau mondial, selon l'AIE, si vous avez le temps, vous regarderez que les chiffres ne collaient pas tout à fait l'un avec l'autre, parce que c'est l'économie. Mais vous verrez qu'en vert, ce qui est non-fossil fuel, alors pour aussi on s'entende bien, en vert dans l'AIE, ça veut dire bas carbone. Ça ne veut pas dire photovoltaïque. Donc le vert de l'AIE, c'est tout ce qui est supposé produire de l'énergie bas carbone. Donc ça peut être n'importe quoi, du nucléaire, du CCS, de la géothermie, de l'hydraulique, enfin tout ce qu'on veut, c'est là-dedans. Donc vous voyez bien que ça ne pèse même pas 20% du total. Donc vous voyez bien qu'on n'est pas tout à fait sur la route en termes d'investissement, puisqu'on continue à investir massivement dans les énergies fossiles et très minoritairement dans les énergies bas carbone. C'est clair, là, à ce stade, vous me voyez venir, je pense. Bon, c'est bon. Dernier point pour vous bien vous mettre le moral à zéro. Ça, c'est la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est un truc du GIEC. Moi, j'aime vraiment beaucoup celle-là. Je l'avais trouvé il n'y a pas longtemps. Et je ne sais pas si tu l'auras déjà passé. Passez-la. Elle est vraiment bien. Hein, vous voyez, de 70 à 2010... les émissions de gaz à effet de serre, tout gaz, en gigatonnes de CO2 équivalent par année. Et vous voyez que ça démarre à un peu moins de 30 en 70, que vous êtes à peu près aux 40, dont je vous ai parlé en 1990. Vous voyez un truc qui est hallucinant, qui est le taux de croissance qui augmente de 2000 à 2010, hein, 2,2% de croissance au lieu de 1,3% dans les 30 années ultérieures. C'est vachement clair. Et puis à droite, là, c'est pas le GIEC, ça, c'est Bibi. On met 2010, on reprend la base 2010, hein, donc les 50. Alors, excusez-moi parce qu'il y a des décalages dans le slide, là, il a mal supporté le passage APC. Le trait jaune, le trait blanc où il y a 40, il faut le voir sur le deuxième, sur le 2030. Donc je vais vous le dire avec les mains parce que le graphe n'est pas très clair. En 2030, le total des INDC, c'est-à-dire le total de tous les engagements qui sont donnés par tous les pays, on doit être à 173, 174 au dernier compteur sur les 195. Il donne, quand on fait les calculs un peu arithmétiques, une tendance du total des émissions de gaz à effet de serre en 2030 de 60. Alors, je ne sais pas si vous êtes bien au courant de ce qui se passe dans cette affaire-là de COP21. Je prends peut-être une minute et demie pour vous les expliquer. On a abandonné l'idée qu'on arriverait à se mettre d'accord sur des trajectoires top-down. C'était la logique Kyoto, qui consistait à dire voilà ce qu'il faut émettre en budget, et puis les enfants, on va se partager. On a arrêté, ça ne marche pas. Donc on a pris une autre méthode, qui est de dire chacun des pays, veuillez faire votre feuille de route, vos meilleurs efforts. Donc, chacun pays rend sa copie, donc ils en ont rendu, donc je dis 172 ou 13 à ce jour, juste avant la COP21. Et après, il y a des mecs qui font les calculs.
l'ONU, les ONG, je ne sais pas si on en fait, enfin l'autre en fait, enfin, bon, tout le monde en fait, pour essayer de voir à quoi ça ressemble quand on fait l'addition. Et ça ressemble à 60. Alors qu'il faudrait être, à ce moment-là, en 2030, plutôt à 40 plus ou moins 10. Est-ce que je suis clair là ? Donc ça veut dire que si on fait le total des INDC juste avant la COP21, on n'est pas sur la trajectoire de degrés, on est sur une trajectoire 3, 4, on n'en sait rien. Parce qu'en fait, il n'y a pas du tout assez de points échantillonnés sur ce que rendent comme copie des pays pour savoir exactement où on en est. On est sûr qu'on n'est pas 2. L'ONU est un peu gonflée parce qu'elle a sorti un chiffre à 2,7. Je ne sais pas d'où il sort. C'est pour rassurer, c'est pour donner votre conscience. Non, enfin, Et c'est aussi pour ça, dans la négo, vous entendrez parler de ça sans arrêt là, dans les jours qui viennent, c'est pour ça qu'il y a une clause de revoyure dans 5 ans. Parce que si vous le regardez dans l'autre sens, les mecs vous disent, c'est quand même mieux que si c'était pire. Non ? Ils disaient, bah, c'est ça l'argument. C'est mieux que si c'était pire. Mais qu'est-ce que ce serait si on ne faisait rien ? Ben, si on n'avait pas demandé ça, si les gens ne se bougeaient pas, alors, si, je sais, parce que nous, Carbone 4, on a fait l'INDC du Gabon. Ben, c'est pas du tout la trajectoire business as usual. Donc ça, si jamais ils tenaient leur promesse, c'est beaucoup mieux que si on faisait rien nulle part. Beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'on serait, je ne peux pas dire de chiffres, mais depuis le début, quand on discutait avec Jean Jouzel, il n'arrêtait pas de nous dire, ça c'est ce qu'il m'avait dit avant Copenhague, il m'avait dit, c'est, on est parti pour 4-5, sans aucun problème. Donc tout le débat de là où on en est, c'est... est-ce qu'on est en train d'atterrir à 4 ? Est-ce qu'on est en train d'atterrir à 3 ? Et on a discuté avec Jacques, c'est un gros sujet. Moi, je dis à des assureurs qui vont courir les risques, je leur conseillerais vivement de prendre 4, enfin, au moins. Hein ? Et à des gens qui sont chargés de faire du business pour décarboner l'énergie, je leur dis, mais gardez moral, la trajectoire de 2, quand même, à la portée. Enfin, ça dépend à qui on parle. C'est clair, hein, mon propos ? Alors, maintenant, je vais rentrer un peu dans le dur, parce que tout ça, c'était un peu pour vous mettre en appétit. C'est quand même dur de sortir du fossile. Hein. C'est quand même vraiment dur. Il ne faut pas que vous ayez l'impression que ça va se faire comme ça. Donc, il y a des vraies raisons. Donc, si c'est compliqué d'obtenir des pays des engagements, ce n'est pas juste parce qu'ils ne comprennent rien au climat ou que c'est... Il y a... comment ça s'appelle ? Il s'appelle pas Maurice. Je ne sais plus comment il s'appelle. Claude. C'est pas parce qu'il y a des Claude Allais dans tous les coins qui pourrissent la vie à tout le monde. C'est pas ça du tout le problème. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc là, genre, très qualitativement, il y a des pays dont l'économie dépend des fossiles. L'Arabie Saoudite s'est vraiment fait tirer l'oreille pour délivrer sa copie. C'est vraiment complètement ça. Tout le business model de l'Arabie Saoudite dépend intégralement de la production de pétrole. Donc si on lui dit, oh, camarade, t'es bien d'accord, tu vas cesser de vendre du pétrole, lui, il dit non. Démerdez-vous. Et c'est aussi vrai, pour c'est une anecdote, mais ça m'a fait trop rire. Vous savez que nous, on fait des calculs avec Carbone 4 pour savoir si, dans les projections de l'industrie aéronautique, on parlait avec Airbus, ils tiennent compte de tensions sur le jet fuel à horizon 2040-2050, qui sont quand même assez probables. Réponse non. Alors, on leur dit, c'est marrant, alors on va faire leur... Ils font des taux de croissance hein, dans l'aérien de 4% par an, quoi qu'il arrive. Et donc, ils disent, de toute façon, la crise de 2 minutes, on n'a même pas vu, quoi. Ça n'existe pas dans nos courbes. Les guerres, ils voient pas. Bon, bref, ça monte au ciel. Quoi. Donc, il n'y a aucune raison pour eux de ne pas continuer. Donc, ils continuent. Donc, le consultant commercial s'est fait chier à mourir. Il a regardé en très en détail toutes les consommations et les machins. Il a fait du 4%. Et il s'est aperçu que la consommation de jet fuel des avions en 2040, je crois, 2030-2040, était supérieure au plus optimiste de tous les scénarios de l'AIE, qui est pourtant ultra optimiste sur la capacité qu'on a à sortir du pétrole. Alors, Ali, c'est quand même un sujet. Vous êtes en train d'avoir un business plan qui ne tiendra jamais la route. Réponse. Bon, ben on a bien compris, ce qu'il faut, c'est qu'on convainque les autres de ne pas utiliser le pétrole. C'est très sérieux. Donc moi, je me vois avoir une mission de lobbying pour le compte d'Airbus, qui aura juste comme objectif de démontrer que l'industrie automobile, il faut qu'elle fasse de la voiture électrique. Pas du tout. Donc quand tu es collé au pétrole, tu n'as pas envie d'en sortir. Mais quand tu es collé au charbon, c'est pareil. Là, les Australiens, vous connaissez l'histoire, hein.
un régime démocrate qui passe et colle une taxe carbone, et puis à les élections, les républicains passent derrière, ils flinguent la taxe carbone. Donc il y a des vraies difficultés industrielles et sociales. En France, la taxe carbone, vous savez, c'est péripétie, c'est compliqué, c'est une question. Nous avons encore combien de pétrole à l'Arabie Saoudite ? Beaucoup. Il y a plein de chiffres que je connais par cœur, mais celui-là, je ne connais pas. Jacques, je ne sais pas. On a les chiffres, pas quelque part, mais moi, je ne peux pas vous les donner en ça. Oui, mais beaucoup, il y a une fin, je dirais. Oui, mon ami. C'est comme les avionneurs, là. Oui, mais c'est sauf que demain, c'est pas le même dirigeant. Alors, chez Airbus, c'est super clair. Le patron d'Airbus, lui, il n'a pas un horizon de vie de patron de 40 ans. Donc, il s'en tamponne. Les seules boîtes où il y a un peu un sujet comme ça, c'est des boîtes familiales. Où il y a un syndrome généalogique, c'est super clair. Dans ma tête, c'est vraiment très très simple. Je ne suis pas pour les boîtes familiales, mais là, il y a un sujet. Tu transmets à ton fils, à ton petit-fils, machin, et donc tu te dis, je fais gaffe à... Quand tu es patron salarié d'Airbus, tu t'emballes complètement. Tu as les profits à chaque quarter, il faut que tu sortes tes profits. Donc ils s'en foutent complètement. Chez les pétroliers, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que là, aujourd'hui, il y a plein de théories sur la raison qui explique que le baril est bas. Et une des explications, c'est qu'ils détendent en Arabie Saoudite pour faire planter les pétroliers d'Amérique du Nord qui font de l'oil shale. Donc il y a des raisonnements stratégiques beaucoup plus compliqués que le raisonnement du salarié d'Airbus. Donc moi, je ne suis pas dans la tête du roi d'Arabie Saoudite, je ne sais pas comment il fait, comment il raisonne. Il sait très très bien qu'il va y avoir une fin, il sait très bien que c'est un énorme sujet stratégique, et donc il raisonne, ce n'est pas des imbéciles. Cela étant, petite anecdote, et après je te laisse répondre, j'ai juste un tout petit truc, il arrive quand même que les gens soient des imbéciles. Lisez Nauru, l'île dévastée. Vous savez ce que c'est que Nauru? Non, donc je vais vous l'apprendre. C'est une île de phosphate. C'est un énorme tas de phosphate. Le jour où ils ont compris que le phosphate était stratégique dans l'agriculture mondiale, ils se sont dit on va devenir riches. Et donc ils ont vidé leur tas de phosphate. Ils savaient que ça avait une fin. Manque de bol. Tout le pognon, parce qu'à un moment donné, le PIB par tête à Nauru était supérieur au plus grand PIB mondial. C'est un truc de fou furieux. Bon. Lisez le bouquin, c'est absolument hallucinant, quoi. C'est chronique d'une mort annoncée. Et là, ils sont en train de crever. Bon. Donc, il y a quand même des gens qui n'arrivent pas à régler ce problème-là. Il y en a d'autres qui arrivent, mais lisez Jared Diamond, hein, c'est super typique. Hein. Et, si vous avez déjà lu, c'est pas fait que je vous en parle. Il y en a un qui fait quelque chose d'intelligent, c'est la Norvège. La Norvège sait depuis très très longtemps qu'il y a un pic oil en mer du Nord. Ça fait très longtemps qu'ils veulent ça, ils sont pas fous. Et donc, ils ont mis de côté le pognon issus de la vente du pétrole, ils ont créé un fonds souverain qui est le plus gros fonds souverain mondial. C'est un petit trillion. 850 milliards de dollars, c'est quand même un gros sujet, justement pour ça. Justement pour organiser le monde après pétrole. Voilà. Les aides publiques, juste un point pour que vous ayez bien aussi des idées claires, j'essaie de vous donner des points de repère hein, pour que vous nous retrouviez un peu dans les médias. 500 milliards de dollars, vous avez de temps en temps une littérature qui vous dit 5000. C'est pas 5000, c'est 500. Hein, les aides publiques mondiales, chaque année, dans le domaine des énergies fossiles, c'est 500 milliards de dollars. Le chiffre de 5000 est un chiffre qui est sorti par le FMI, parce qu'il rajoutait en plus du coût des subventions et des aides, les coûts des externalités. C'est-à-dire qu'ils ont calculer un coût implicite du CO2, et ça, évidemment, ça coûte une blinde, mais c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment un calcul socio-économique qui n'a aucun rapport avec ça. Cela étant, là aussi, pour qu'on soit complètement clair, si vous ne réglez pas le problème des aides massives fossiles, vous n'avez aucune raison de penser que les gens vont sortir des fossiles. C'est complètement évident. Et pourquoi les gens font des aides publiques aux fossiles, en fait ? Là, je pose des questions dures. Hein. Pour dynamiser l'économie et la croissance. Ouais. En fait, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est que comme l'énergie est stratégique pour augmenter un tout petit peu son niveau de vie, hein, donc en gros, ça consiste à remplacer le bonhomme par un esclave énergétique, reprenant le terme de Lamarck, vous avez besoin d'énergie pour sortir de la merde. Et donc, si vous êtes très pauvre, et si le prix de l'essence, le prix du kérosène est très élevé, bah, vous ne sortez pas de la merde. Donc les États subventionne pour aider les braves gens, c'est aussi simple que ça. Ce qui fait que, alors dans des pays richissimes comme l'Arabie Saoudite, là, c'est encore pire, c'est pour acheter la paix sociale. Parce qu'il y a pas les mecs sont quand même, bon, ils ont beau être très esclavagisés par le chef, et le chef il est un peu obligé de leur laisser un peu d'oxygène, donc il leur file un peu de pognon
pour qu'ils aient un niveau de vie minimal. C'est comme ça que ça marche. C'est très basique. Donc ça veut dire que les grands experts de l'OCDE qui disent « il n'y a qu'à Faucon réduire les subventions fossiles », c'est sympa, mais qu'ils aillent le vendre au Nigeria, en Éthiopie et ailleurs. Ils verront que c'est pas très très commode. Hein. Il y a des lobbies aussi quand même. Ah ben je vous l'ai mis, non ? J'en ai raté aucun. J'ai mis des acteurs privés puissants. Si j'avais mis des lobbies, vous m'auriez mieux compris. Dans le cas du Nigeria, c'était pas si simple. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais évidemment qu'il y a aussi des acteurs puissants qui sont ces fameux lobbies qui sont à la manœuvre un peu partout. Vous savez que dans la grande déclaration très récente des pétroliers, donc Total et quelques autres, qui ont dit on est d'accord pour qu'il y ait un prix au carbone, il n'y a pas du tout la coalition des pétroliers américains. Donc Exxon, qui est en train de prendre un procès pour, en responsabilité pénale pour avoir non tenu compte du risque climatique alors qu'il le savait, plus pour avoir fait tout ce qu'il fallait pour que le risque climatique soit pas révélé, et ça c'est bien documenté maintenant, on sait que les lobbies vont jusqu'à là, ils vont jusqu'à créer du flou dans la tête des gens pour que le problème ne soit pas perçu. Le même Exxon n'a pas signé cette fameuse déclaration. Donc ils sont encore à la manœuvre. Je vais vite. Alors là, je vais vous faire un discours de gauchiste, une minute. Excusez-moi, juste, les aides publiques dont vous parlez, c'est vers les... Vers les braves gens. Depuis le fossile ou pour le fossile? Pour le fossile. Depuis les organismes... C'est en gros un État qui dit « Tiens, je te file 100 balles pour que tu puisses acheter du pétrole. » Mais ça peut être un État qui favorise une industrie pétrolière. Aux États-Unis, le gros des aides publiques, c'est directo dans la poche des industries pétrolières. C'est aussi simple que ça. En France, on le fait moins, on est plus pudique. Donc là, un petit discours de gauchiste, une unité demie. Et en fait, là, il y a deux propos. Un, pour vous regarder, parce que je pense que vous savez parler anglais. Donc ici, d'abord, les bulles. Je ne vais pas vous les lire. Donc c'est clair, ça. Il y a un sujet de rente. Donc là, je prends un peu de recul pour vous donner un truc un peu conceptuel avant de rentrer dans les mesures concrètes. Il y a vraiment un sujet de rente. Donc en économie, le capital, il y a le travail, il y a les ressources naturelles. Et dans le domaine des ressources naturelles, il y en a certaines qui sont appropriées, d'autres qui ne sont pas appropriées. Et alors quand je dis appropriées, c'est pas forcément par le privé, ça peut être une appropriation publique. Donc la rente pétrole de l'Arabie Saoudite, elle est détenue par la famille saoudienne. J'en veux à l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Qu'il faut que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que quand on passe d'une économie carbonée à une économie décarbonée, on passe d'une économie où il y a beaucoup de flux annuels qui sont donc les consommations de fossiles qui vont être engendrées, ça c'est du flux, qui est assis sur une rente. Et il va falloir, c'est ce que nous dit Stern, mais là tout le monde est d'accord là-dessus, il va falloir investir soit pour réduire notre consommation d'énergie, soit pour faire une énergie décarbonée, de manière à réduire ces flux. Donc, hein, il y a deux idées en même temps. La première, c'est que il va falloir négocier, et ça va être un peu raide, avec les rentiers qui sont assis sur les ressources, et dont la survie dépend de la vente de ces produits. Ça, c'est le premier grand point. Et puis le deuxième point, il va falloir investir pour qu'on cesse de dépendre de ces flux d'énergie fossile et pour qu'on remplace ça par de l'énergie décarbonée. Alors, je vais tout de suite vous montrer un exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire. Ça, c'est des petits calculs de Quantab qu'on a fait avec Carbon 4 et vous allez voir ce que je veux dire. Je prends l'exemple de la production d'énergie électrique. Vous avez en bleu la part de l'investissement, du coût d'investissement dans le prix de revient final. Donc si vous prenez par exemple la centrale nucléaire de type EPR, je suis sympa avec l'EPR aujourd'hui, parce que c'est pas 80 euros le mégawattheure, mais je m'en fous, parce que de toute façon, ça ne change rien, au raisonnement. Vous avez 60 des 80, donc 3 quarts du coût, si je compte bien, ouais, je compte bien, qui sont liés à l'investissement initial que je fais. Donc pour faire ce calcul de prix de revient, c'est pas compliqué, on calcule toutes les dépenses qu'on a fait au départ, donc là en l'occurrence l'investissement
on additionne les dépenses futures d'exploitation et de coûts de combustible, on fait tout total, et puis on divise ça par l'électricité, l'énergie qu'on a dépensée. C'est la même chose que le calcul du bilan carbone dont on parlait tout à l'heure, sauf que là, au lieu d'être du carbone, c'est des euros. Ce que vous voyez là-dedans, c'est que les décarbonés, c'est le nucléaire à ma gauche, l'éolien, j'ai pris quelques exemples, hein, j'ai pris de l'éolien et j'ai pris des petites hydro. Vous voyez que dans les décarbonés, les quatre décarbonés, la part du coût du CAPEX dans le prix de revient final est complètement déterminante. Elle est de 80% en moment de vente. Et vous voyez que les deux du milieu, qui sont le gaz et le charbon, ce qui est complètement déterminant, c'est la part du combustible. Parce que vous voyez, dans le gaz, c'est 60% du coût de revient d'un mégawattheure qui est issu d'une centrale à gaz, qui est le gaz. Et charbon, c'est un peu moins, c'est un tout petit peu plus capitalistique. Donc je prends un exemple pour vous faire comprendre que il a raison, Stern. Il va falloir investir massivement pour réduire la consommation d'énergie fossile. Alors, pour vous le dire de manière encore beaucoup plus concrète et simple, ici, là, si on veut transformer cette épave thermique en un bâtiment sérieux, qu'est-ce qu'on va faire? On va dépenser de l'argent. Pour changer les fenêtres, pour isoler, pour mettre un devisant là-haut, pour mettre une ventile qui ventile un peu ce bordel. On va mettre des thermostats dans tous les coins pour piloter l'énergie, parce que dès qu'on sera sorti de la salle, il ne faudra pas baisser les cerveaux. Bon, ça, c'est de l'investissement. C'est du CAPEX. Et le résultat de l'histoire, c'est qu'on aura mis beaucoup de CAPEX sur la table pour que demain, après-demain et après-demain, il y ait beaucoup moins de consommation de carburant et de combustible dans l'affaire. Donc c'est ça le deal de la transition énergétique et le deal majeur du financement de la transition énergétique. Si j'ai qu'un seul message, c'est celui-là en fait. C'est qu'effectivement, il va falloir investir beaucoup pour réduire nos consommations. Et je rentre maintenant dans un autre point. Si vous voulez, dans l'équation qui est la nôtre, améliorer l'économie bas carbone contre l'économie carbone, il va falloir accroître le coût du carbone. Ça, c'est assez clair hein, là-dessus. Parce que dans mon petit slide, ici, vous voyez en violet par-dessus, là, la centrale CCG, vous avez une petite tranche en violet, là. Hein, et puis la centrale au charbon, vous avez une petite tranche en violet qui est le coût du carbone. Là, c'est du 20 euros la tonne de CO2. D'accord ? Ne retenez pas les chiffres parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait ça qui fait la parité entre le gaz et le charbon. Vous voyez que si vous mettez un coût au carbone, vous défavorisez, vous rendez beaucoup plus coûteux les énergies qui sont très carbonées, les moins coûteuses, c'est assez évident ça. Donc, c'est pour ça que le levier prix du carbone, quelle que soit la méthode, est un levier totalement déterminant d'une économie bas carbone. Est-ce qu'il y a un sujet là-dessus ou est-ce que c'est clair pour vous? Je vais vous prendre dans un autre sens qui n'est pas autour des investissements, mais qui est autour de la vie courante. Si vous achetez un litre d'essence demain matin et que ce litre d'essence coûte beaucoup plus cher, parce qu'on a mis une grosse taxe carbone dessus, bah vous allez dire, moi, oulala, ça me coûte une blinde. Alors vous avez deux solutions, soit vous faites la manif, en disant, c'est un con de gouvernement, tu vas me dire de faire sauter cette taxe carbone, soit vous dites, on va négocier avec le gouvernement, et donc si tu m'augmentes mes impôts sur le carbone, là, je veux que tu me réduises mes impôts ailleurs. Donc on peut faire ça. Ce qu'a fait la Suède en 91. Donc la Suède a mis en place une très grosse taxe carbone en négociant une réduction des impôts en contrepartie de l'augmentation des impôts sur le fossile. Donc je peux le prendre dans tous les sens que je veux, soit par la consommation courante, soit par l'investissement, soit par tout autre raisonnement. Dans tous les cas de figure, si on veut rentrer dans une économie bas carbone, il va falloir mettre un prix fort au carbone. Ceci a un petit rapport avec cela, c'est-à-dire que le fait qu'on n'ait pas fait beaucoup de progrès dans l'équation de Kayas que je vous ai montré tout à l'heure, et qu'on n'a pas fait beaucoup de progrès dans la décarbonation de l'économie, et la raison pour laquelle je ne suis pas pour qu'on fasse des projections business as usual, c'est que les miracles ne sont jamais totalement interdits. N'est-ce pas, Jacques? Et donc, si on croit un peu aux miracles, on se dit, imaginons qu'on ait un signal prix carbone un peu significatif dans l'économie dans les années qui viennent, les agents et les acteurs économiques ils vont fonctionner un peu différemment. Alors, je vais prendre juste une preuve, pas deux, une. L'industrie automobile européenne a été confrontée à ce qu'on appelait à l'époque la TIPP, maintenant c'est la TICPE, c'est-à-dire l'impôt sur les carburants, les accises,
qui sont telles qu'un prix d'essence à la pompe, c'est deux fois plus cher qu'un prix s'il n'y avait pas de, d'impôt, enfin, c'est hors de grandeur, c'est de 1 à 2, c'est même pire que ça. Il y a presque plus d'impôts que d'essence. Ça nous a structuré le parc automobile européen. Aux États-Unis, il n'y a pas de TIPP, il n'y a pas de TICPE. Ça a structuré le parc automobile américain pendant des années et des années. Les bagnoles américaines consommaient 12, 13, 14, 15, 16 litres au 100, pendant que les bagnoles européennes consommaient un tiers, voire la moitié. Etc. Donc le signal prix carbone, il est évident, il est documenté, il faut qu'il soit un peu significatif. Est-ce que vous avez une idée du niveau de, du prix du carbone en France en 2016? Combien? J'ai pas entendu. 7? 7. 7, c'est le prix de la tonne de CO2 sur le marché européen de quotas. Presque 14, non? C'est à peu près ça aujourd'hui. Et l'année prochaine, ce sera 20, 22. Et là, dans la loi de finances qui sort pour cette année, le prix 2017 sera de 30. Sauf qu'on est dans une année électorale. 30 euros, c'est 2017. La trajectoire de, qui est indiquée dans la loi de transition énergétique en France, c'est une trajectoire où on aura 100 euros la tonne de CO2 en 2030 et 56 en 2020. Voilà. Donc, quand je vous parle de taxe carbone, je ne parle pas en l'air. Il y a 40 pays qui, aujourd'hui, ont mis en place du carbone, un prix au carbone, et il y a la Chine qui est en train de mettre en place un marché de quotas de CO2. Donc, j'insiste un tout petit peu là-dessus parce que... c'est un long, long combat, cette histoire de carbone, depuis des années. Avec Jean-Marc, on a écrit le bouquin Le Principe en 2005, donc on a restauré un peu cette idée-là. En 2007, ça a été vendu à Nicolas Sarkozy dans le cadre du Grenelle, ça a planté le gouvernement, pardon, Sarkozy n'a pas réussi à imposer la taxe carbone, hein, c'est moyennement convaincu, mais quand même. Et c'est Hollande qui a réussi à démarrer par un tout petit niveau de prix au carbone, je ne sais pas, à l'époque ça démarrait avec que dalle. Donc c'est compliqué socialement. C'est pas qu'une affaire de lobby et de gros méchants, c'est aussi une affaire de ménage. Chacun des ménages dans un pays où il y a des difficultés, quand il considère qu'il a des difficultés, n'a pas envie de payer plus cher l'énergie pour la raison exactement la même que celle dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est qu'on aime bien avoir des subventions sur les fossiles, même pas l'inverse. Mais le message, quand même, ouais. Par rapport à la taxe carbone, aujourd'hui c'est sur un marché et du coup c'est soumis à l'offre de la loi et la demande. Et c'est ça qui fait fluctuer le prix. Est-ce que ça serait possible de. Parce que du coup, actuellement, par exemple, on voit, c'est pas directement une taxe carbone, mais on a dans le bâtiment les certificats d'économie d'énergie, où l'État a mis un quota fixé pour les industriels. Et en ce moment, les cours, enfin, le prix des certificats d'économie d'énergie, il est en train de diminuer fortement. Quoi. Ouais. Parce que s'il y a une loi d'offre et de demande, est-ce que ce serait possible de mettre en place une taxe carbone, mais qui soit un coût fixe? Oui, alors donc, d'une part, il y a deux dispositifs majeurs pour mettre un prix au carbone, pour ne pas parler de taxes. On va dire parler de carbon pricing, c'est beaucoup plus clair qu'en français. Il y a deux mécanismes pour mettre un prix au carbone, en fait il y en a trois, mais il y en a deux principaux qui sont les marchés de quotas de CO2, et ça obéit à ce que vous dites, c'est des marchés où il y a la fluctuation, ces marchés. Et l'autre dispositif qui s'appelle la taxe carbone. Quand j'ai parlé de la Suède n'a pas mis en place un marché de quotas, elle a mis en place une taxe carbone. Quand je parle de la France et de mes 17, 20 euros, c'est une taxe carbone. Donc il y a énormément de pays qui réfléchissent à la question de mettre en place une taxe carbone. Donc je réponds oui, évidemment, que c'est, non seulement c'est possible, mais c'est fait, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de problème. C'est fait. Il y a plein de pays au monde où il y a des taxes carbone avec des prix qui sont fixes et qui sont non négociables. C'est vraiment complètement clair. C'est une des raisons, c'était à la fluctuation. Après, il y a le débat entre économistes, mais je ne vais pas passer plus de 2 minutes là-dessus, parce qu'on va y passer le quart d'heure final. Il y a un débat entre économistes pour savoir qu'est-ce qu'il vaut mieux mettre en place. Vous avez une pleine page de Jean Tirole qui est sortie dans les Échos de ce matin, qui plaide pour un marché mondial du carbone avec un prix unique. Je suis complètement opposé à Tirole. Plein de raisons, mais je ne suis pas prix Nobel. Donc sachez juste qu'il y a un débat d'économistes qui n'a plus fini, donc c'est comme les docteurs de Molière, hein, donc on n'est pas du tout d'accord entre nous. Et donc il y a une partie des auteurs qui disent qu'il faut un marché mondial du carbone et une partie qui dit pas du tout, c'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie. Donc moi je soutiens qu'il ne faut pas du tout faire un marché mondial parce qu'on n'y arrivera jamais. Et je soutiens que c'est beaucoup plus basique et pragmatique que ça. Et puis en plus j'ai passé des mois et des mois à voir comment le gouvernement fonctionne. Je veux dire que Tirole, il n'est jamais été, il n'est jamais allé voir comment ça marche. Donc ça ne marchera jamais ce truc-là. Ce qui marche, c'est des trucs beaucoup plus
bricolé, boutiqué, compliqué, avec un peu de taxes, un peu de machin, des règlements, des trucs qu'on arrive à passer, des trucs qu'on arrive à vendre, d'autres qu'on n'arrive pas. Enfin, c'est vraiment pas beau. Mais si on attend le soir, le grand soir, pour avoir un beau dispositif, la planète aura pris 5 degrés dans la tête. Hein. Alors, là, j'ai un tout petit slide pour faire comprendre un truc sur l'efficacité énergétique des logements. Je prends un logement, c'est un vrai logement moyen à 320 kWh le mètre carré que je rénove à 60 kWh le mètre carré. Je regarde quelle sera l'annuité du ménage, qu'est-ce qu'il va payer. Donc au début, il paye 3000 euros par mois. Et je lui ai mis un peu de CO2 à 20 euros la tonne de CO2. Donc il paye un peu de... Il va avoir un peu de capex parce qu'il va un peu faire sa rénovation, mais sans tenir compte du tout des enjeux énergétiques, il va payer ça. Bon. Après rénovation, qu'est-ce qu'il va payer ? Eh bien, ça va dépendre beaucoup du taux d'intérêt sur le financement qu'il va avoir. S'il a un financement qui lui coûte 8%, chaque année, il devra payer les intérêts à son banquier sur le coût de rénovation. Et donc, à la fin de l'histoire, il dépensera chaque année 3500 balles. Donc, la forte économie qu'il a fait d'énergie, parce que vous voyez le poste énergie qui est en marron, il est devenu très petit, donc on est content. Petit problème, c'est que c'est entièrement bouffé par le banquier qui dit « aboule-moi les intérêts financiers ». Ça, c'est quand on raisonne avec un taux d'intérêt à 8%. Si on fait un éco-PTZ, donc si on fait un taux à zéro, le banquier ne se goinfre pas, et le ménage se retrouve avec un peu moins de 2000 balles contre 3000. Donc là, il fait. Donc ça veut dire que selon le coût de financement du capital, je fais ou je ne fais pas une opération qui a pour but clair de me réduire ma consommation d'énergie. Donc ça, c'est un deuxième message important, c'est que pour faire... On est dans une économie où on doit investir massivement pour réduire des flux de fossiles. Et ça sera beaucoup plus facile si on met un prix élevé au carbone, parce que ça découragera dans l'équation économique l'usage et le recours des fossiles. Et ce sera beaucoup facilité si on réduit le coût du capital. C'est pas souvent dit, autant ce qui est dit sur la taxe carbone, vous l'entendrez absolument partout, tout le temps, de tous les économistes, et ce que vous entendrez, c'est un débat entre taxes et quotas, autant ce que je vous dis là, c'est beaucoup moins dit et redit. Nous, ça a été le cœur de notre obsession dans le rapport avec Pascal Canfin, de savoir comment on peut amener dans la transition du capital pas cher. Comment on peut amener dans la transition du capital pas cher. Sachant qu'aujourd'hui, la tendance est rigoureusement à l'inverse, parce que grosso modo, les capitalistes et les prêteurs considèrent que la transition énergétique, c'est du loin, c'est du risqué, c'est du pas très connu, et donc ils demandent un rendement plus élevé. Donc aujourd'hui, on est une espèce de contradiction où on a besoin d'un prix du carbone très élevé, on ne l'a pas, on a besoin de coûts de financement sur le bas carbone très bas, et on a plutôt exactement l'inverse. Donc c'est quand même pas trop étonnant que le business as usual soit on continue comme avant. Est-ce que c'est vraiment clair là, ce que je suis en train de vous dire ? Je vous dis les quatre grandes solutions auxquelles je pense moi, pour résoudre cette équation-là. 1. Limiter le rendement du capital privé. Alors j'ai dit gentiment, j'étais très gentil, que les capitalistes ils trouvent que tout ce qui est nouveau, tout ce qui est bas carbone, c'est... globalement, un peu à risque, donc on va faire payer cher. Mais il y a un autre problème beaucoup plus important, c'est qu'il y a de nombreux financiers, on va faire un petit jeu de rôle, vous êtes un patron de hedge funds. Combien vous me promettez de rendement ? Ouais, en taux de rendement du capital, vous promettez 8%. Ouais, vous me prêtez 15, 20, 30, 40%, c'est ça que vous me promettez. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que il y a des endroits où on promet la lune en matière de rendement du capital. On promet la lune. Et c'est bien pour ça qu'il y a eu la fameuse crise des subprimes, c'est que comme les rendements n'étaient pas au rendez-vous, à un moment donné, tout le fric s'est barré. Donc, on peut agir sur ce sujet-là, et donc il y a bien un rapport entre la financiarisation du capital et la transition énergétique. Il y a bien un rapport. C'est-à-dire que tant qu'on est dans une économie capitaliste très financiarisée, il n'y a pas de doute qu'on peut offrir des rendements à très court terme très importants,
et que ça dissuade une grande partie des capitaux d'aller sur des rendements moins attractifs. C'est vraiment tout à fait clair. Deuxièmement, une réforme comptable ambitieuse. Ça, pour vous, là, ça doit être complètement du chinois, mais j'ai beaucoup discuté avec des financiers de grandes entreprises. Aujourd'hui, les règles comptables font qu'ils sont de plus en plus dans le court terme. De plus en plus, le sujet, c'est de faire apparaître des résultats au prochain trimestre, au trimestre d'après, au trimestre d'après. Donc de plus en plus, ils passent moins de provisions, de plus en plus, ils font ce qu'on appelle de la fair value. Et donc les règles comptables sont très favorables à l'économie à très court terme. Donc si vous avez un projet qui est très rentable à très court terme, vous trouvez des financeurs. Si vous faites un projet long, qui a une rentabilité très moyenne, très modérée et très longue, le mec vous dit « Pfff, votre truc m'ennuie ». Et ceci a un rapport avec cela. Donc nous, dans le rapport avec Pascal Canfin, on a fait cette proposition-là. Les gens de Bercy nous ont répondu « Ah ouais, c'est intéressant ». Ah ouais, c'est intéressant. Ah ouais, ouais. Ah, vous avez vraiment raison. Alors, c'est pas du tout dans les 10 propositions de synthèse. Ça fait partie de la catégorie intéressant, on flingue pas. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien que si l'un d'entre vous a envie d'aller se faire plaisir, de négocier avec les grandes institutions qui sont les institutions comptables, c'est entièrement maqué par les Big Four, hein, c'est-à-dire Deloitte, KPMG, Ernst & Young, et le quatrième, PricewaterhouseCoopers, et qu'eux, ils ont mis intérêt à rester sur les référentiels actuels. Donc la réforme des grands référentiels comptables, qui à mon avis est très 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 stratégique, vu de ces mecs-là, c'est 20 ans. Donc on aura eu le temps de griller. BAL3 et Solvency 2, je ne vais pas non plus vous faire un cours trop compliqué, parce que là, on va y passer beaucoup trop de temps. C'est les règles des régulations qui s'imposent aux banquiers et aux assureurs qui limitent leur capacité de création monétaire ou d'opérations bizarres. On pourrait les réformer en disant on va inciter par les règles de régulation, on va inciter les banques et les investisseurs à prêter plus dans le bas carbone que dans le haut carbone. C'est pas du tout refusé dans notre rapport et c'est un peu le même genre de sujet que le précédent. C'est-à-dire que c'est du long du lourd. Aujourd'hui, il y a une très grande pression du lobby bancaire, je le sais parce que je discute avec eux en ce moment, sur le thème les règles BAL3 et Solvency 2 nous dissuadent d'investir en long terme. C'est ça qu'ils disent. Donc nous, ne nous demandez pas d'être longs, ils sont très courts, en ce moment ils prêtent à 7-8 ans, 10 ans c'est vraiment le bout du monde, et alors que nous on a besoin de financements beaucoup plus longs que ça. Et eux, ils disent que c'est la faute à BAL3 et Solvency 2. Moi, je pense qu'ils ont en partie raison, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont en partie tort. C'est qu'ils instrumentalisent BAL3 et Solvency 2. Et en même temps, si on n'accepte pas de négocier ces trucs-là, je pense qu'on va continuer sur un gros malentendu, et eux continueront à faire business comme avant. Donc ça, c'est la famille 1, consiste à dire si on rend moins rentables les activités courantes d'aujourd'hui, ça améliore de fait l'attractivité du « vert », entre guillemets, hein, le bas carbone. Donc dans l'autre sens, est-ce qu'on peut augmenter le rendement relatif du vert ? Bah oui, donc price to carbone, ça c'est la première des choses, parce que là, évidemment, que ça va devenir intéressant. On fait des green bonds, des climate bonds, c'est trop compliqué pour aujourd'hui, on n'a pas le temps, mais ça, c'est un sujet d'actualité et qui marche assez bien. Donc là, on est plutôt dans la catégorie welcome, c'est plutôt dans les 10 propositions. Y a évidemment toutes les mesures fiscales, parafiscales, de réduction de risque, de couverture de risque, tout ce qui permet de mieux orienter l'effet de levier du financement public. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est de dire l'argent public, il est très insuffisant par rapport aux besoins colossaux d'investissement qu'on a. Hein. Quand je parle de mes trillions de dollars, tout le monde sait que c'est pas de l'argent du pognon public, c'est pas nos impôts qui vont faire ça. Bon. Donc tout le sujet de ce point 3, c'est comment l'argent public, aussi limité soit-il, être mis dans des endroits où il y a un effet de levier sur l'argent privé aussi efficace que possible. Donc je prends juste un exemple pour me faire comprendre, sur lequel on a énormément insisté dans le rapport avec Pascal Canfin, c'est que dans l'argent public, ça peut être l'argent des banques publiques de développement, ou ça peut être l'argent de la BEI, qui est l'argent de la grande institution européenne hein, d'investissement. Si ces acteurs-là, qui ont un effet de levier très important sur le privé, dans les financements un peu compliqués qu'ils font, ils ont une incitation forte, et là qui est publique, donc y a pas, c'est plus simple. Hein. L'AFD rend compte à la Direction générale du Trésor, qui rend compte au gouvernement. Donc c'est vraiment à la main.
si ces gens-là, ils font des financements qui vont plutôt vers le bas carbone que vers autre chose, ça a un effet de levier important sur le privé. Ça, ça fait partie des mesures qui sont welcome dans le rapport. Enfin, et je termine sur la 4. Ça, ça fait partie des choses qui ne sont pas welcome. Le raisonnement est ultra simple. J'ai déjà fait 50 fois, mais je vous le fais en vitesse. Il y a en ce moment des opérations à guichet ouvert des banques centrales mondiales, la Fed, la BCE et d'autres, pour alléger les contraintes de liquidité des banques. Donc ça vient à dire qu'il y a la création monétaire en pagaille des banques centrales vers les banques secondaires. Si on est capable de faire ça comme ça pour sauver en gros les banques, on doit être capable de dériver une partie de cet argent qui est créé vers des agences ou des banques intermédiaires qui financent du vert. Donc on serait capable de conditionner ce flux d'argent vers des projets bas carbone. Ça, c'est pas du tout welcome en Europe, pour une raison relativement simple, c'est que la politique monétaire, vue dans la doctrine actuelle, la direction du général du Trésor, vue par les technocrates de Bruxelles, vue par à peu près tout le pouvoir actuel, la doctrine générale, c'est la politique monétaire ne doit pas être une politique industrielle. Il n'est pas question que la politique monétaire serve à quoi que ce soit qui puisse orienter l'économie. En gros, pour eux, la politique monétaire, c'est un machin qui met à disposition de la monnaie et démerdez-vous. On leur a dit et écrit, ouais, sauf que la Chine ne raisonne pas comme ça. La Chine est en train de travailler sur comment je peux verdir ma politique monétaire, c'est-à-dire m'organiser pour que les flux d'argent aillent préférentiellement vers ce qui sauve la Chine du bordel absolument évident dans lequel ils sont. Réponse de la technocratie française. Vous savez, la Chine, ils font de la planification à 10 ans. C'est quand même le dernier des pays à faire ça. C'est vraiment un pays communiste. Donc dit autrement, le modèle libéral occidental ne conçoit pas qu'on puisse faire un peu de politique industrielle, un peu de politique, et que les États soient un peu stratèges, ils ne conçoivent pas ça. Et ils ne conçoivent pas que la politique monétaire soit un des leviers de ça. C'est un mécanisme très différent qui est pris. Alors évidemment, nous, ça nous fait marrer, parce que je pense que là, pour le coup, je ne suis pas communiste, hein, mais pour le coup, je pense que c'est une énorme connerie. Je pense que vraiment, il serait temps de s'y mettre. Alors, sur les temps, je vous passe la parole. Daniel Lebègue, qui est l'ancien patron de la Caisse des dépôts et consignations, qui est plus jeune, mais qui est aussi patron de Transparency International, patron de tout un tas de grands organes comme ça, lui pense que c'est une vraie bonne idée et il le dit publiquement à qui veut l'entendre. Voilà. Donc je pense que c'est pas complètement perdu ce truc-là. Je vous ai pas du tout passé tout ce que je voulais, je voulais juste terminer là-dessus. Marc Carney, qui est le président de la Banque Centrale d'Angleterre et qui est aussi le président du Conseil de Stabilité Financière, a compris qu'il y avait un sujet avec le climat. C'est quand même une grande nouvelle. Donc il a fait un discours historique le 29 septembre devant la Lloyds en disant faisons attention les enfants, ça va sentir très mauvais pour nous. Et donc il faut que vous commenciez à intégrer le sujet. Donc je termine parce que j'ai cramé mes. Et puis je vous passe avec la parole, on discute deux minutes. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en gros, effectivement, il y a du très très lourd pour passer de la trajectoire actuelle à une trajectoire qui sera légèrement, qui sera au-dessus de 2 degrés. Mais plus on est ambitieux en termes de climat, plus il va falloir être ambitieux en termes de réforme économique. C'est ça mon gros message. Mon deuxième gros message, c'est qu'on n'est pas en train de réinventer la Lune. Il y a beaucoup de choses assez basiques, même si j'ai été à toute vitesse. Tout ça, c'est assez compréhensible, c'est beaucoup plus simple que vos équations de physique et de chimie. C'est à notre portée. Simplement, la bagarre est extrêmement lourde parce qu'il y a énormément d'habitudes à changer, il y a énormément d'enjeux sociopolitiques à faire. Et donc, on ne peut pas être naïf par rapport à ça. Voilà en gros ce que je voulais dire, mais il y a vraiment plein de pistes. Et quand vous verrez dans notre rapport avec Pascal, il y a beaucoup de choses très très concrètes, très bêtes, pour faire des pas dans le système. Et le fait qu'un mec comme Marc Carney, qui a une très haute autorité, se bouge un peu son derrière, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, je pense, moi, qu'on a une logique assez positif, c'est que plus la finance comprend qu'il y a des risques, plus ils vont se dire « Ouh là là, il faut peut-être... » Comme on dit, le risky business a changé de camp. Donc ils étaient amoureux du charbon, du pétrole et du gaz, ils ont peut-être cessé d'être amoureux du pétrole, du charbon et du gaz. Vous avez une question ? Oui, à propos des grandes banques de développement, Banque mondiale, Banque africaine de développement, Banque asiatique de développement, quelle est leur position
précises aujourd'hui, on sait qu'elles ont alimenté le fonds vert récemment, une quinzaine de milliards. Oui. Donc, est-ce qu'elles accompagnent vraiment tout ce processus de décarbonation par leur politique de subvention et de prêt? Alors, il y a deux sujets. Privilégiant vraiment les énergies renouvelables et en levant le pied sur le fossile. Alors, la réponse est nuancée, forcément, parce que c'est des banques qui obéissent. Hein, Anne Pogam, directrice générale de l'AFD en France, elle obéit. Donc, Elle continue à obéir. Bon, donc, les autres sont pareils, dans le même cas. Donc, le truc qui a avancé positivement, c'est que on sait maintenant chiffrer un peu convenablement les fameux investissements à co-bénéfice climat. Et il y a une espèce de mouvement d'ensemble, parce que l'AFD est plutôt bon élève, la France est l'hôte de la COP21. Donc, l'idée d'avoir un ratio. Alors là, pour l'AFD, le ratio est de 50%. 50% de mes financements sont à co-bénéfice climat. La Banque mondiale nous dit 15%. Donc la Banque mondiale sera capable de s'engager pour dire fait 15, 17, 18, 19, 20. Une des grosses recommandations du rapport François Grandjean, c'est qu'au G20, les pays demandent à leurs banques de développement de faire des feuilles de route. Et on sait l'organiser et quantifier. Mais c'est ultra politique. C'est-à-dire que ça ne dépendra que des décisions des États. Donc si la Chine dit à sa banque « fuck, on s'en fout du carbone », le gars dira « bien cher ». Si la Chine dit « no fuck », ben, trop bien. Voilà. Il y a plein dans le rapport de chiffres, vous verrez, hein, c'est bourré de chiffres de développement et de références. Ouais. Deux petits points. Ouais. Le fait que la Norvège prévoit et pas l'Arabie Saoudite, ça vient juste du régime politique. Faites une thèse là-dessus. Là, je ne sais pas répondre. D'accord. j'en sais rien. Vous avez au début parlé des échanges financiers qui pouvaient aussi investir dans la reforestation, etc. Ouais. Moi, je n'ai pas trop saisi quel est leur intérêt économique dedans. Est-ce que c'est en prévoyant le coût du CO2 ? Il y a pas mal de financiers. On est dans une période de transition, hein, au cas où vous n'auriez pas saisi complètement mon propos. Et donc, dans une période de transition, il y a des gens qui parient et d'autres qui parient sur d'autres choses. Mais ils parient parce que... ils parient que le modèle économique est derrière. C'est-à-dire, je restaure des terres. Ça va générer des revenus. Quelque part. Parce qu'on va vendre de la biomasse ou on va faire de l'agriculture, ce revenu-là, il est suffisant pour rembourser les intérêts du capital. D'accord. C'est sur le fait qu'on... Ouais, c'est pas des subventions, hein, c'est un vrai fonds d'investissement. Oui, donc il parie que sur le fait que ça va marcher. On paye la tonne de CO2 et on la vend. Non. Il parie que la restauration des sols est un actif économique. Si vous avez un désert, le produit du désert, c'est zéro. Je remplace un désert par une forêt très belle. Ça produit des produits qui peuvent être vendus. Donc il y a un revenu. C'est que ça. Plus un poil de subvention des États, plus des trucs et des machins, plus du REL, plus des subventions, des trucs et des machins. Enfin, ils font des boutiques absolument horribles pour arriver à faire leur truc. Ils ne parient pas sur le CO2. Hein. Ils parient sur le fait qu'il y a un intérêt économique à faire ça. Et donc ça veut dire que ce n'est pas la gamme méchant pure. Les méchants purs, ils font du hedge fund. Non pas à 8, mais c'est des gens qui se font convaincre par Monique Barbu, qui est la grande prêtresse du sujet, et qui dit on y va. Donc, dans le milieu financier que je connais assez bien, vous avez une faune ménagerie assez hétérogène. Il y a vraiment des très méchants, et il y a quand même des assez gentils. La prêtresse, c'est comment ? Monique Barbu. Dans ces investissements bas carbone, il me semble qu'il faut évaluer l'efficacité bas carbone de ces investissements. Ouais. Et quelle autorité ou quelle entité peut faire ça ? Aucune. Aucune. Moi, ça me paraît vraiment évident que ça va être un... À partir du moment où on est parti dans des logiques souveraines, c'est-à-dire pays par pays, c'est les pays qui vont faire. Bah oui, ça c'est sûr que ça viendra de nulle part ailleurs. Donc en France, ce qui est bas carbone ou pas carbone, c'est le gouvernement qu'on élit. Voilà. Puis il fait des mauvais calculs, on a dans le nom, il fait des bons calculs, on n'a pas dans le nom. Je vois pas ça tellement autrement. Moi, je suis pas rentré du tout là-dedans, parce qu'il y a tellement de choses à vous dire que je suis pas rentré là-dedans, mais c'est évident que c'est un sujet. Parce qu'il y a un autre sujet, c'est quoi le bon critère ?
Est-ce que c'est de quoi on aura la tonne de CO2 ? Enfin, bon, là, c'est une discussion infinie, c'est vraiment compliqué. En tous les cas, la réponse à la question simple, c'est aux États que ça va appartenir. Est-ce que les entreprises comme Google et Facebook ont pas mal de moyens est-ce qu'ils se positionnent sur la question ? Ouais, ils font la com' là-dessus. Les GAFA, comment on les appelle, les GAFA, les grosses, là. Donc non, ils ne font pas que de la com. Non, alors, ce que je veux dire, c'est que dans le domaine du numérique et des transitions carbone 4, on n'a jamais réussi à avoir les infos. C'est vraiment le plus opaque de tous les secteurs que je connais. Ça, c'est encore pire que la finance. Vous n'aurez jamais aucune information d'Apple, de Google, de Facebook, tous ces grands monstres. Alors là, les financiers, c'est des amateurs par rapport à ces mecs-là. C'est vraiment des brutes épaisses. Donc c'est des prédateurs massifs. Et donc, ils investissent assez fortement parce qu'ils savent très bien que leur data center, ils ne raisonnent pas tout à fait comme l'aéronautique. Ils consomment. Hein, le numérique dans le monde, l'ordre de grandeur, c'est 3% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est à peu près l'ordre de grandeur du secteur de l'aviation, sauf que c'est beaucoup plus croissant que l'aviation. Donc c'est une usine à fabriquer du CO2, cette histoire. Ils le savent. Et ils ne raisonnent pas comme l'aéronautique, ils ne se disent pas que les autres se démerdent. Parce qu'ils sont quand même un peu visibles. Vous avez vu que le patron de Facebook déclare au monde entier quand est-ce qu'il prend des vacances pour congé de maternité. Enfin, c'est des trucs insensés. Donc ils font gaffe à leurs fesses, ils communiquent beaucoup. Donc très probablement, ils investissent dans les data centers, ils font du refreshing de data centers, ils font des trucs et des machins, certainement. Mais avoir une information objective, comme nous on peut en avoir sur tout un tas de trucs, ça c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je suis taquin. Ils ont évidemment un énorme enjeu. Ils ont un énorme enjeu. C'est-à-dire que le sujet de transformer le numérique, l'IT en bas carbone, c'est un sujet majeur. Et qui va passer beaucoup par les là pour le coup, par mes deux leviers. Ça va passer beaucoup par la source d'énergie auquel ils utilisent. Donc ils vont essayer de se coller à côté de centrales hydronucléaires, pour la faire simple. Ou de l'efficacité énergétique des process. Donc je suis sûr que ces mecs-là, ils vont mettre beaucoup d'argent pour que nos bazars soient efficaces. Tout petit détail, et puis là j'arrive vraiment. Oui. Tout petit détail, la Livebox que nous on a regardé, c'est chez Orange, hein, donc c'est pas les grands méchants. On a regardé ça en détail. L'efficacité énergétique de la Livebox n'arrête pas de progresser. Les box sont de plus en plus mieux faites. Sauf que nous, on a envie de la 4G, on a envie de films en streaming sans arrêt, on a envie de 1000 trucs, et les directions du marketing de ces boîtes-là s'organisent pour qu'on ait envie. Conclusion, la consommation finale de ces putains de produits, elle n'arrête pas d'augmenter. Donc c'est de plus en plus efficace et ça consomme de plus en plus d'énergie. Voilà. Donc y a un petit sujet de fond qui est un sujet sociétal majeur. C'est que si on croit que le bonheur est par l'augmentation permanente de la consommation d'énergie, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire plein d'efficacité énergétique. Plein, pas tout partout, et on la verra nulle part. Donc il y a ça, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond, qui est un problème central de la question électrique énergétique. On va faire toute une séquence sur l'effet rebond, tellement c'est un problème majeur. Donc moi, mon point de vue simple, c'est qu'il faut que l'énergie coûte un bras, et là, il y aura tout l'effet rebond. Allez, je vous laisse, hein, bonne soirée, bonne journée.